Voilà une petite merveille de simplicité et tellement gourmande. Les arlettes, pâtisseries qu'on retrouvait dans les salons de thé et que l'on pouvait déguster l'après-midi avec un thé ou un café. Elle est composée d'un feuilletage au beurre et le tout est caramélisé sur ses deux faces avec un sucre épicé. Comme le chausson napolitain, c'est une abaisse de feuilletage sur laquelle on va déposer une fine couche de beurre pommade. On y découpe des petits rouleaux que l'on passe au froid positif. Une fois dur, on vient découper des petites tranches dans ces rouleaux. Ces tranches sont allongées sur un lit de sucre aux épices et il est allongé sur les deux faces. Ce sucre est mixé au robot afin d'obtenir une poudre assez fine pour qu'elle caramélise rapidement au four. Donc une fois qu'on a allongé ces abaisses dans le sucre sur deux faces, on les dépose sur une plaque. On peut cuire le tout entre deux plaques ou entre deux tapis de cuisson. Ce qui est important, c'est que la cuisson soit bien maîtrisée et que le feuilletage soit bien cuit à cœur, comme un millefeuille. Ici, nous vous avons présenté deux variations. Une ajourée, où volontairement on a incorporé plus de beurre, ce qui va permettre en fait au feuilletage de plus s'écarter. Et une garnie d'une crème vanille que l'on peut présenter et déguster comme un millefeuille.